Ciao Massimo. J'espère que tout s'est bien passé. Magnifique. Grazie mille. Ciao, ciao. À Strasbourg. Alors si tu passes en Alsace, c'est vraiment incontournable que tu ailles visiter la capitale de la région. Alors certains diront qu'on est en Allemagne, mais on est bel et bien chez les Alsaciens. J'ai passé un excellent moment au cœur de la ville, dans l'hôtel 5 étoiles Maison Rouge, et je vais tout vous raconter à bord de la nouveauté Kia 2022, le Sportage hybride. L'Alsace, c'est une culture à part entière qui ne garde que le meilleur de son influence franco-germanique. Que ce soit dans son architecture, sa gastronomie ou tout simplement son sens de l'accueil. Strasbourg concentre tout ça. La plus grande ville de la région, qui compte aujourd'hui un peu plus de 280 000 habitants, peut même se vanter d'avoir un centre-ville intégralement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ouais ! Donc là, ça risque d'être très compliqué de sortir avec le mur, mais rien n'est impossible avec le nouveau Sportage hybride. Regardez. Nous voilà donc à bord de la plus belle success story du constructeur, le Sportage, qui est d'ailleurs devenu hybride avec cette toute dernière version 2022. Il ne faut plus appeler la marque Kia Motors, mais Kia tout court. On n'est plus sur un constructeur automobile, mais une marque de mobilité. C'est un nouveau logo Kia, que j'adore d'ailleurs, très futuriste, avant-gardiste, dans lequel finalement on a voulu marquer cette nouvelle ère, et aussi de par ses codes stylistiques. Kia les a baptisés l'Alliance des Contraires, avec à la fois des lignes fluides et dynamiques, et naturelles comme modernes. Une combinaison esthétique qu'on retrouve aussi dans les rues de Strasbourg. Plus de 5 siècles séparent la cathédrale Notre-Dame et le Parlement européen, par exemple. Et pourtant, les deux édifices se complètent en incarnant deux symboles majeurs aujourd'hui dans l'histoire de la ville. En arrivant à l'hôtel Maison Rouge, cette sensation des opposés qui s'attirent est encore plus flagrante. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? La forme? Ouais, ça va. Je suis ravi d'être là. Bienvenue à Maison Rouge. Au plein centre-ville de Strasbourg. Nous entrons à la fois dans la plus ancienne institution strasbourgeoise, mais aussi dans un établissement 5 étoiles qui répond à toutes les exigences d'aujourd'hui. Pour être exact, au début, c'était une auberge. Une auberge qui a grandi, qui est devenue un grand hôtel Place Kléber, juste à côté de chez nous, qui est le palace de la Maison Rouge. Et cette annexe où on est aujourd'hui date de 1927, avec 131 chambres et suites, un spa, un restaurant, un bar et des magnifiques salons mistinguettes pour bruncher. Bah, j'ai hâte de découvrir. Je vais vous montrer ça. Ça marche, merci. Ce sont les salons mistinguettes. Ils accueillent tous les jours le petit déjeuner, donc à nos clients hébergés ou aux extérieurs s'ils le veulent. Hein. Et tous les dimanches, de midi à 15h, le brunch. C'est une belle expérience à vivre le dimanche. Ouais. Super, donc là c'est vraiment des couleurs assez douces finalement. Très douces, très harmonieuses, un peu poétiques. Réveil en douceur. Ah, j'adore moi ces vitraux là. Donc nous voilà au 5e étage. Je crois qu'il y a eu vraiment dans le passé une grande histoire. Avant, en tant qu'auberge, on a accueilli d'illustres personnalités, notamment du monde culturel, des hommes politiques ou des artistes, des chanteurs, des danseurs, etc. Et du coup, à chaque palier, on a installé ce qu'on appelle des cabinets de curiosité. Victor Hugo, voilà. 1839. Et voilà notre suite signature. Très très jolie. Donc c'est notre produit chouchou, hein, entre guillemets, à peu près 80 mètres carrés. Ah oui, vous avez le coin salon, le coin nuit et la salle de bain à côté. Ah, et ce souhait de garder le parquet au sol avec la modernité. Imagine être un peu comme à la maison. Et la vue sur la cathédrale de Strasbourg. Waouh, c'est magnifique. C'est un endroit où vraiment tradition et modernité se rejoignent. Ouais. Avant d'aller tester la cuisine et le spa, j'ai un peu de temps pour vous en dire un peu plus sur le Sportage et sur cette belle ville de Strasbourg. Oui, donc voilà les amis, donc là moi je suis à bord d'un engin idéal encore pour parcourir les longues distances, mais aussi pour parcourir la ville sans faire de bruit puisqu'elle a cette capacité de rouler en hybride, donc en électrique quand on est en ville. Écoutez d'ailleurs comme elle est silencieuse en mode tout électrique avec son petit son, là on a l'impression d'être complètement dans le futur. C'est le best-seller de la marque depuis 2010 et ce pour les 9 années qui ont suivi
faut quand même s'imaginer et se rendre compte d'un truc, ils ont vendu plus de 6 millions de Sportage dans le monde. Il y en a du monde aussi qui vient visiter Strasbourg pour venir voir la petite France, un quartier pittoresque qui concentre toute la beauté de l'architecture alsacienne. Le palais Roanne aussi, bâti au XVIIIe siècle pour le prince évêque Armand Gaston Maximilien de Roanne, le mec à 12 prénoms. Il est aujourd'hui classé monument historique. Évidemment, la cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg, bâtie en 1439. Il a fallu 263 ans pour la construire. Quant à la place Kléber, elle rend hommage au commandant suprême de l'armée d'Égypte, au fait d'armes appartenant profondément à l'histoire de France. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans les merveilles cachées de la ville, il ne faut pas passer à côté de l'Aubette, un long bâtiment construit en 1778 et regroupe aujourd'hui une sélection de boutiques tendances. Pour rentrer dans le détail pour ce nouveau Sportage, les plus avertis remarqueront qu'il est vraiment plus grand, plus spacieux. Donc ça a vraiment été rendu possible avec la nouvelle plateforme qui répond finalement aux exigences des Européens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est fabriqué sur notre continent à Žilina en Slovaquie. Que ces deux énormes écrans 12,3 pouces, il y a vraiment tout qui est connecté. Parmi les autres atouts de ce Sportage, c'est qu'il y a une vraie boîte de vitesse à 6 rapports et qui permet vraiment de gagner en dynamisme et en agrément. Et pour autant, et c'est pas des moindres, je ne consomme que 5,5 à 6 litres au 100 en moyenne. Alors si on peut résumer, ce Sportage, il correspond vraiment aux attentes de toute la famille de par sa polyvalence, son appétit d'oiseau grâce à l'hybridation. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, c'est l'heure de déguster les mets du chef Jonathan Roche, en charge du restaurant 1387 au cœur de l'hôtel. On passe à table, venez, suivez-moi. Bonjour Maxime. Bonjour Ted. On met en avant les vins faits par des femmes. C'est encore d'accord. Quelque chose qui n'est pas trop répandu dans le métier. Dans une ambiance chaleureuse en plus. C'est intimiste finalement, il y a très peu de places assises. Merci beaucoup. Il a choisi de me servir un tataki de bœuf sashi, puis un pâté croûte 4 viandes. Ouais, donc effectivement, c'est un doux mélange entre le sucré et le salé. Un spectaculaire gravlax de truites fumées au bois de cerisier sous mes yeux, s'il vous plaît. Là, tu t'attends à ce que le saumon soit chaud ou froid. Mais il est chaud, il est froid. Un lomilo poêlé aux pleurotes et aux jus bruns de Kumbawa. Ça, c'est un mélange de spätzle et de patates. Je vous garantis que j'ai voyagé pendant ce repas. Du coup, j'ai terminé ma journée au spa où j'ai pu bien profiter du hammam, du sauna et du jacuzzi. Bon ben voilà les amis, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir la vie à la Strasbourgeoise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis comme on dit ici, bis bald tschüss.